Ah ouais, tu m'as retrouvé, merci de m'accueillir à la sortie de prison. Et pourquoi tu étais en prison? J'ai roulé à 51 au lieu de 50, j'ai pris 6 mois. Ah putain, mais carrément. Ouais, carrément, carrément. Encore, pour moi j'étais à 52, mais bon. Alors, Bah alors oui, tu nous dis où on est? bah, où on est? Bah, en prison, donc je viens de le dire. Prison assez célèbre, donc fermée depuis 2011. Très très facile d'accès, c'est vraiment. Faut une prison. Tu peux raconter la petite histoire qu'on est déjà venu? Ah ouais, donc pour ceux qui connaissent, on est déjà venu et on a été stoppé à l'entrée par certaines personnes qui nous laissaient un peu l'autorisation de rentrer ici, mais bon, si on rentrait, je sais pas si on ressortait avec les caméras. Voilà, donc plus d'un an après, je crois. Ah oui, un an et demi après, donc nous revoilà. Et cette fois-ci, ben, on est paré, quoi. L'entrée est super facile, donc voilà. Tu nous fais la visite? Allez, c'est parti, ça va être long, très grand. J'ai peur de me perdre. Suis-moi. Des lieux, donc on voit derrière moi, ça a été squatté très vite. Il reste plus rien, tout était vidé. On ira peut-être un peu en bas par la suite, mais c'est le gros bordel. Sinon, pour la petite histoire, donc avant d'être une prison qui, je rappelle, a fermé en 2011, c'était une abbaye et donc ça devait être la plus grande prison de la région et sans doute l'une des plus grandes de France. C'est vrai qu'elle est. Elle est grande, elle a une architecture assez spéciale. Et cette prison a la particularité d'avoir accueilli aussi des hommes et des femmes. Donc là, on est dans le quartier homme. Quartier femme, on va essayer d'y aller. Et c'est notamment essayer de trouver l'abbaye, enfin des restes d'abbaye, donc une chapelle ou une église. Voilà. Allez!
Ouais, alors du coup, je pense que c'est l'entrée, c'est ça? L'entrée, non, c'est... comment on va dire? La prison, il y a trois branches. Donc là, on est au milieu, donc c'est un dôme, vu de l'extérieur. C'est assez joli à voir. Donc ça devait être l'accueil. Encore toujours avec ces satanées pluies. Voilà. Malheureusement, on peut pas trop dire. On trouve des pièces, on pense que c'est des salles à manger ou le réfectoire, tout simplement. Et il n'y a plus rien qui dit que, à part du carrelage sur les murs et par terre. Voilà. Allez, on continue. Ouais, je suis sorti, mais. Tu peux parler ? Pas encore. Voilà, je suis au parloir pour te parler. Bon, donc, alors, tu me fais un bilan de la visite ? C'est pas mal, c'est vraiment très très grand, c'est un vrai labyrinthe, on n'a sûrement pas tout fait. On peut pas tout faire, de toute façon, on passerait notre journée là-dedans et on n'a pas que ça à faire. Sinon, que dire pour cette première prison qui est vraiment bien à voir. Après, il faut pas s'attendre à trouver des trucs en bon état. Mais sinon il y a encore tout, il y a encore les salles de détenus, les bureaux, les miradors, les... On est arrivé trop tard, tu crois? J'en sais rien, mais je pense que ça a été vidé par l'État avant. Après il y en a qui sont servis par la suite de ce qui restait. D'ailleurs c'est un peu étonnant parce qu'il reste à certains endroits des trucs qui généralement disparaissent assez vite dans un endroit abandonné. Surtout celui-là car ça fait déjà 3 ans qu'il est fermé. Voilà, donc t'as rien à rajouter, non? Non, c'est bon. Non? Bon ben... La suite c'est pour quand? Je sais, quand tu veux. Pas pour un prochain épisode, non, tu veux pas? Bah si, si on peut dire ça, si. Allez, ciao. Allez, salut. Thank you.